La flûte des Andes, non pas la flûte australienne. C'est une flûte des Andes qui est faite comme le whistle irlandais. Mais, vu mon état de dextérité, et à mon mauvais état de santé, je peux provisoirement mal en jouer. Et j'ai pas l'habitude de boucher les trous, des instruments qui sont assez gros. Disons que je pourrais vous mettre des morceaux. Ou j'en joue mieux que ça. Et je vais juste montrer la flûte des Andes qui est ici, une flûte à 6 trous. Plus 1. Si on voit bien. En dessous. Pour le pouce. En ce moment, je laisse boucher. Ça joue exactement comme une flûte irlandaise. Flûte australienne pour les Australiens. Ça, c'est la guitare accordée à la médiévale, comme je l'ai dit. Il y en a encore 4 cartes, enfin, selon le sens où vous voyez les cordes. Par exemple, ça. On va l'accorder déjà. Alors ça, c'est la tonique, quinte, tonique, donc deux sols do par exemple, tous les touches blanches du piano sur les whistles, ce serait la ré par exemple, en montant. Ça ferait une sorte d'accord médiéval avec juste la quinte et l'octave. Et il y a un instrument qui s'appelle le dulcimer, qui est un instrument folk, qu'on fait le groupe Malicorne, qui a fait des trucs comme ça, mais on peut faire des airs simples. Juste là, sur une corde, vous allez voir ce qui est plus gourdon. Avec le pouce. Grosso modo, c'est le même casque pour le blues. Je vous montre. Je suis un fauteuil, c'est pas pratique. Je suis Gaston Lagaffe de la vidéo, moi. Pardon. Je suis un clown, en fait. Voilà, donc c'est. Après, vous avez soit la première case ou la deuxième, et par contre, vous avez la troisième, la cinquième. La septième. La huitième, la dixième, et la douzième qui ferme l'octave. Et après, sur la dimanche, ça se reproduit pareil, les intervalles. C'est l'octave au-dessus. Et pour le blues, en fait, il faut juste. Comme ça. Ce qui va faire des blues souvent, c'est ce qu'on appelle un accord en open. Voilà, j'ai deux cartes qui sont sur la même longueur d'onde, j'allais dire. C'est ça en fait, c'est la même note. Et si je la mets en tierce, comme ça il y a une tierce en plus de l'octave et la quinte. Mineur.
accord majeur. Là, on est là, donc c'est vide. La manche est vide. Un accord majeur. On enchaîne directement en troisième case. Ça sonne blues. Bref, vous c'est un air pour le rythme blues. Les notes sont les notes pour le blues comme pour la gamme médiévale, c'est sur les mêmes cases comme les notes cordes par cordes. Pour avoir les notes. Voilà. Voir si ça sonne avec la flûte. Il y a un pipeau en fait, parce que le bec est en prolongement du tube. On en fait des low whistles comme ça, qui sont des whistles irlandais, mais en plus. Pas, ou des whistles australiens pour ceux qui viennent d'Australie, mais qui sont taillés dans des trucs en PVC, le plastique en fait. Ça vous fait des flûtes à pas cher. Il y a des tutos de bricolage comme ça sur Internet. À bientôt.